Eh bien, bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 11e épisode sur The Last of Us 2. Et la dernière fois qu'on s'était laissé, Ellie venait de massacrer Nora. Et elle va sûrement en faire des cauchemars d'ailleurs. Mais ce n'est pas le tout, elle avait eu un flashback et on était de retour à l'hôpital Sainte-Marie, donc là où elle devait se faire opérer dans le 1, et on s'était laissé là. Donc voilà pour le petit résumé, c'est parti. Vous avez laissé tout un tas de trucs. Allez. Il doit bien y avoir quelque chose. Pourquoi vous êtes tous partis? Ah. C'est quoi ça? L'infection a clairement muté. Voyons si les résultats de l'examen corroborent notre théorie. C'est du lourd. C'est moi ça? Eh oui, Ellie, c'est toi. Rien d'autre. Demain, à la même heure, on aura bouleversé le cours de l'histoire. J. Je m'en souviens. C'est là qu'elle s'est fait. Bah, qu'elle devait se faire opérer. Ouais, c'est là. Ça rappelle des souvenirs. La plupart des gens sont déjà partis. Je sais pas avec quel groupe je vais aller. J'étais avec ceux qui voulaient prendre en chasse le contrebandier. Et la fille. D'après les autres, même si on la trouvait ou si par miracle on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. La seule personne capable de créer un vaccin est morte. Si par miracle, on trouvait une autre personne immunisée, ça changerait rien. La seule personne... Ellie! Complètement folle. Tu peux pas te barrer comme ça en pleine nuit. T'aurais dû me prévenir. Au lieu de me laisser un mot à la con. Dis-moi. Ce qui s'est passé ici. Tu mens encore une fois. Je me tire. Et tu me reverras plus jamais. Mais si tu me dis la vérité,
Je retourne à Jackson. Peu importe ce que c'est. Allez, dis la vérité. Joël. Fabriquer ce vaccin. Ça t'aurait tué. C'est pour ça que je les ai arrêtés. Putain, tous les bleus qu'elle a. On est toujours au théâtre ? Dina ? Je m'en souviens pas de cette pièce. Jessie ? Faites la guerre, pas l'amour. Tiens, regarde Joël. C'est ton préféré. Ok, c'est une nouvelle partie de... du théâtre. Ok. Les bruits sont vachement immersifs. Je visite un petit peu. C'est vachement cool. Dina. Ok, là on est. Jessie. Derrière la scène. Ok. Ok. Ils sont où tous les deux? Elle a eu une sale nuit. Même l'eau ne passait pas. T'aurais dû me réveiller. Elle est enceinte. Ouais.
Je comprends pourquoi t'es ici. Mais il faut qu'on la ramène. Elle a besoin de soins et elle sera pas capable. Oui, je sais. Mais je peux pas abandonner Tommy. Il est ici à cause de moi. Tu pourrais peut-être la ramener. Elle partira jamais sans toi. Ouais. On s'en tape. On va chercher Tommy. L'aquarium dont cette fille t'a parlé. On n'aura qu'à attendre là-bas. Jusqu'à ce que Tommy trouve Abby. Et ça te gêne pas de laisser Dina toute seule? Ce sont ses ordres. Ok. On va lui dire qu'on part alors. Je te rejoins devant. Ouais. Salut. Salut, toi. Il faut que tu viennes fermer la porte. Ok. En route. D'après ta carte, l'aquarium est sur la côte. Ça devrait être par là. Ouais. Ah, comment on fait pour rester au sec dans cette ville? Tiens, viens m'aider. Ok, vas-y. Ok. Merci. Qu'est-ce que t'as dit à Dina? On espérait trouver Tommy à l'aquarium. Je lui ai pas dit que tu savais. Si c'est ça que... De fait... Non, c'est bon. Hein? L'aquarium, c'est une base Wolf? Non, je crois pas. Nora c'est a dit... Qu'Abby se cachait là-bas. Elle t'a dit pourquoi ils avaient fait ça? Ouais. C'est quoi ce bug à la con, là? Joël s'est brouillé avec des lucioles. D'anciennes lucioles, maintenant. Ah ouais? À cause de quoi? Ils faisaient du trafic avec eux. Et ils se sont engueulés à cause de la marchandise. Une bagarre a éclaté et il y a eu des morts. Je suppose qu'ils ont voulu se venger. Merde. Ça change quelque chose pour toi? Non. Au fait, j'aimerais bien mettre une chose au clair. Quand on aura trouvé Tommy, on sera d'accord pour rentrer. Ouais. Et tu laisseras quelques-uns de ces enfoirés en vie. Il faut que Dina rentre à Jackson. Ok. On est d'accord. Putain, j'espère le bug là, il va pas durer. Ouais. Je vais péter les couilles, moi, sinon. Ah ouais. Je pensais peut-être parce que j'étais en discussion et c'était pas censé, mais pas censé changer mes armes en discussion.
Merde, c'est bloqué. Tu crois qu'on peut couper par le centre de congrès? On peut essayer. Ça, je vais enclencher ça après. Je vois de la lumière par là. Bah attends, attends deux secondes, Johnny Billy. Là. Ouais. Pressé lui. Tu crois qu'ils vont foutre la merde à Jackson après ça? Hein? Comment ça? Ah bah, on aura buté pas mal d'entre eux. Et dans leur ville. Oui, mais c'est de leur faute. Mais Abby et ses potes sont pas venus à Jackson à cause d'un truc qu'a fait Joël? Mais ici, c'est pas comme Jackson. Joël et Tommy ont aidé Abby quand elle s'est fait attaquer. Eux, ils essaient de buter tout le monde autour d'eux. T'as bien vu, ils t'ont tiré dessus sans hésiter. Ouais. C'est vrai. Oh là, je suis en train de ramasser plein de trucs, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Combien de temps que Dina est malade à ce point? Quelques jours seulement. Tu l'aurais vu quand on est arrivé ici. Elle a défoncé un paquet de wolves. Tu serais resté sur le cul. Ça m'étonne pas. Faut pas la chercher. Ah yes. Oh yes. Ok. Est-ce que je peux améliorer certains trucs? Voilà, il manquera plus de la lunette et ce sera bon, c'est cool. Ce fusil va être amélioré au max et il va faire un max de dégâts. Gravure et tout, c'est trop bien fait. Vachement calme. C'est étrange. Eh, hey, viens m'aider. Dis-moi juste. Pourquoi elle m'a rien dit? Pour le bébé. Écoute. Je suis sûre qu'elle t'en parlera quand. Je rassemble tout le monde. Qui t'a dit ça? Le chef en personne. On s'assure que la voie est libre, on attend le reste des unités et on lance l'assaut. La dernière fois? Ce sera pas comme la dernière fois. On a tous la trouille. Ils surveillent toute la côte. Ils vont nous buter avant même qu'on débarque. Allez, courage. Tu vois tout. C'est pas comme si on avait un choix de toute façon. Je pense que toi, ça va changer si on réussit. Les intrus! Dégage! Merde, putain! Oui, c'était pas prévu ça! Putain, non! Allez hop! Oh, ils sont bons!
Attaque les balles arrière. Oh. Ok. Ça n'empêche lui, le connard, il a tout fait foirer. Les Wolf, ils ont la gâchette facile. Ils sont en guerre contre ces fanatiques à la con. Oh. Je les ai entendus en parler. Des séraphines, un truc comme ça. Séraphites. Trop sale. Moi, je les ai entendus les appeler Scar. T'en as croisé? Non. T'as de la chance. Tellement longtemps que j'ai plus de pompe, de munitions de pompe. Rien. Nada. Ah, voilà, yes. Santé pleine. Ça fait plaisir. Non. Je vais garder une petite biche. De fusil, on en a régulièrement quand même. C'est pas si rare que ça. Par contre, une munition de pompe, ça se fait désirer. Ah, j'ai pas un truc, non? Ouais. Bah ouais, munitions de fusil là, c'est vraiment vraiment pas. Ah. Sont tellement minuscules. Franchement, s'il y a des trucs comme ça, c'est... J'aimerais trop aller dans un endroit comme ça dans la vraie vie. C'est trop génial. Ah, ça, c'est pas pour rien, ça. Ça, c'est pas pour la déco, ça. Bah, tant pis. Mais... Si j'avais pas eu une munition de pistolet, là, j'aurais été cool. Putain, la nature, elle est vraiment magnifique. C'est vraiment trop bien fait, en vrai. C'est un truc de ouf. Non, j'ai pas été là, du coup. Y'a rien à visiter. Quoi le délire avec ces affiches? Tout ça, c'est des comics. Attends,
C'était quoi cet endroit? Un rassemblement de gens qui aiment les ennuis. Des gens comme toi, quoi. On n'est pas nés à la bonne époque. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure au sujet de Dina? Tu m'as dit qu'elle me le dirait quand... Quand tout sera réglé ici. Il y a un moment où ça va être difficile de le cacher. Elle t'a dit si elle comptait le garder? Non. J'ai l'œil, mesdames et messieurs, j'ai l'œil. Le bruit sur les feuilles dans le casque est incroyable. Franchement, j'espère que quand vous regardez mes vidéos, si vous le pouvez, vous les regardez avec un casque ou un truc du genre. Parce que le son du jeu est incroyable. Il est incroyablement immersif. Waouh! Waouh! C'est un vrai bordel. L'aquarium. Il est juste à côté de la grande roue. J'espère que Tommy a les mêmes infos. Merde. Excusez-moi pour ce trafic. Va falloir y aller à la nage. Ah bon? Faut pas... Ah ouais. Faut pas sauter par-dessus. Hop, voilà, j'ai chopé le tétanos. Je me suis abîmé sans la voiture et du coup je vais mourir. Fin du jeu, générique. On est tout le temps trempé dans cette ville là. J'ai l'impression. Ça, franchement, ce que j'aime bien dans celui-ci, et qui est vachement un point positif, mais genre de ouf, c'est que dans le 1, on avait largement peur de rusher et de foncer dans le tas. Alors que dans celui-ci, il faut vraiment être stratégique, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on va faire avant. C'est vraiment cool. Putain, par contre, j'ai pas accès à cet endroit là. Ah, peut-être, ouais, voilà.
Non, j'ai tout fait. Il n'y a rien là-haut. Tu veux bien dégager, s'il te plaît? Merci. Ouais, bah du coup, je. Franchement. Je pense pas qu'on puisse avoir accès à. Ah, quoique là, j'avais pas vu. Je voulais pas me mouiller. Comme quoi, faut toujours bien fouiller, bien regarder autour de soi. Car on peut louper plein de petits trucs. Il y en a d'autres! Mais casse-toi, putain! Mais il est con, lui! Putain, j'ai voulu esquiver, il s'est foutu derrière, c'est abruti. Franchement, si j'étais mort à cause de lui, j'aurais bien ragé, me connaissant. Parce que déjà, je rage alors que je suis en vie, mais bon. À la pauvre poire qui me trouvera, j'ai les mains qui tremblent, mais il faut que tout le monde à la base le sache. Je me suis fait attaquer en allant relever Misha au poste de surveillance du monorail, un Scar. J'aurais juré que c'était ce bon vieux Grey. Merde, j'ai la tête qui tourne. Rendez-moi service et abattez ce fils de pute. Et dites à Mish que je suis désolé. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Jensen. Jensen. Ok. Cette fois, c'est fini. Bon, bah, c'est une impasse. Moi, je me tire. Ouais. Je crois que t'as raison. Je sais qu'il faut que j'avance, mais j'ai vraiment envie de tout explorer, genre ça là, à mon avis, ça c'est pas là pour rien, c'est pas pour la déco, ça. Si? Oh, les enfoirés. Par ici. Ok. Bon, on est obligé de se mouiller encore, hein. Je te suis. Ça, l'eau elle est toute propre, voilà, et là elle est toute crade. Par ici, Johnny Billy. Impasse. Je crois que tu peux te glisser là. On va voir. Je t'aurais suivi, tu sais. Si tu m'avais dit que tu partais. En fait, je pensais que tu trouverais l'idée stupide. J'aimais beaucoup Joël. C'est dégueulasse ce qui lui est arrivé. Je serai venu. Joël t'aimait beaucoup aussi, tu sais. Bon. Il pensait que j'avais un faible pour toi. Ah bon? Ben, t'es plutôt pas mal comme mec, mais t'es pas vraiment mon genre. Quoi? T'aimes pas les Asiates? Ouais, c'est ça. T'as tout compris. Ah.
Non, c'est à moitié la galère pour faire des flèches, non? C'est carrément tordu. Montrez ça au rayon enfant. Ils avaient pas le même problème de champignons à l'époque. Hein? Ouais, c'est vrai. Ça lisse au pays des merveilles. T'avais un livre préféré quand t'étais petite? Ouais. La guerre fantôme. C'est l'histoire de soldats de l'espace qui se battent contre... Des fantômes? Des fantômes extraterrestres. Ouais. Ça, ça m'étonne pas de toi. Ok. Et toi, alors, hein? Bah... Ma mère avait qu'un seul livre. L'enfant racine. C'est un garçon qui se transforme en forêt pour sauver son vie. D'accord. Pour éviter que je m'en lasse, ma mère changeait la fin à chaque fois. Une fois, astucieux. Le garçon décidait de laisser mourir tout le village. J'en ai fait le cauchemar. Ah. L'angoisse. Mais c'était gentil de sa part de faire ça. Ouais. Elle est super, ma mère. Par contre, on va péter un plan en apprenant pour le bébé. Ouais. Je vais bien te croire. C'est trop cool, les petits moments de dialogue comme ça. Wow. Oui. Bienvenue en enfer. Le sang est tiède. Viens, on retourne dans la rue. Ouais. Mais par où? Par là? Ok, par là. Par là, non? Pas par là. Mais bon, j'ai ma réponse. Faire une croche pour atteindre la grande roue. Faire une croche? Je sais pas ce que ça veut dire. Tu sais, c'est con. Merde! On l'a eu! Regardez s'il reste des survivants! C'est du bon boulot, ça. On n'attend plus que l'unité Bravo. Je suis prêt, moi. C'est du sérieux, cette tempête. Ça doit pas être facile de naviguer par ce moment. T'inquiète, il y en aura assez pour tout le monde. Ah, j'arrive pas à les repérer. Là, je laisse pas d'odeur derrière moi, là, c'est bizarre. Mais lui, on le voit pas, là. J'aime trop la bagarre, j'ai envie de me battre. J'aime pas fuir comme ça. Oh, il est où? Sur ta gauche, fusil à pompe.
putain. Ah ouais, il est là. Je crois que c'était le dernier. Ah non. Ouais. Ah ouais. Finalement, Jackson, c'est pas si mal que ça. C'est clair. Bon, au final, il n'était pas beaucoup. Par contre, est-ce que les autres, ils avaient... Attends, mais... Ouais, moi, je sais pas. Oh, c'est gore en vrai, hein. Putain, le chien, il a une patte en moins. Oh, c'est hardcore en vrai. Mais franchement, s'il y a une bonne ou une mauvaise fin, et que genre il y a une bonne fin en tuant pas les wolves, nique sa mère. Hein. Ou genre la mauvaise fin. Hein. On est là pour se venger, nous. On est pas là pour discuter. Joël, on l'aimait. Je sais pas s'il faut que j'aille par là. Par là. Tout droit, je pense. Je pense qu'il va falloir que j'aille tout droit. Attendez, hop. Je vais visiter un peu là, vite fait. Merde, je peux pas aller par là. Oh, ça fait trop plaisir. Ah ouais. Là, on ramasse beaucoup de matériaux, c'est cool. C'est cool. Ah bah ça c'était... ouais, ok. Je vois où on est. Ouais, Non. Ok, ça se met automatiquement. Bon, voilà, on a tout fait ici. On se casse. Merci. Et ça doit être... Je pense que c'est par là, c'est bon, ce soit par là. Non? What the fuck? Ok. Toujours de la flotte, plus de flotte, plus d'humidité, toujours. Heureusement que les anticorps des lits sont résistants. Parce que, limite comme ça, à longueur de journée, là. Même pas de radiateur pour se chauffer, il n'y a rien, il n'y a même pas de rhume. D'accord. Là, il y a trop de trucs, là. Je sais plus où il faut aller, moi, maintenant. C'est trop labyrinthique. Je sais pas si ça se dit, mais... Merci. Ok. Bon, en vrai, là, je suis plutôt bien. Il manque plus que quelques flèches et c'est bon. D'ailleurs, il manque une flèche du scotch. Du scotch.
Non, je vais attendre que j'ai assez pour débloquer la lunette. C'est ma priorité. Bah, voilà. Rien à récupérer par ici. Nope, it's a chug test. Fais ça. Bon. Pas par là du coup. C'est par où alors? Faut encore aller in the water. Pas où faut aller, je me suis perdu. Peut-être j'ai looté quelque chose là-bas, pas fait attention. Ouais, il n'y a pas d'autres trucs en plus, je sais pas. Ah, peut-être fallait passer par l'extérieur. Non. Alors, là, y a rien à... Ça, on peut pas pousser, ça. Des fois, on est bloqué pour des trucs à la con. Tu es sûr que c'est un truc tout bête, hein? C'est obligé que ce soit un truc tout bête. Et voilà. Voilà, voilà. Je vous avais dit que c'était un truc tout bête. Je suis sûr qu'Abby a choisi l'aquarium. C'est question d'y accéder. Peut-être. Prendre cette route. Mais putain, ça fait long. Sinon, il y a ça. Ouais. Ça, c'est mieux. Yeah. I like voilà. Your plan, man. Hey, the wolf. We need the boîte. Elle est loup. On va essayer par là. Alors c'est quoi le plan? On bute ces types et on leur fauche leur bateau? On prend le bateau, ça c'est sûr. Le reste, ça dépendra de ce qu'ils font. J'espère qu'ils sont pas nombreux. Oh, ils sont juste une centaine. Bordel. Je le crois pas. Je suis d'accord avec toi, Ellie. Par ici, dépêche. Il
avez un coup de main? Ah, c'est bon. C'est juste le moteur qui fait des pièces. Sniper repéré. Je répète, sniper repéré à la marina. Sûrement un intrus. Appuyez au rapport. Terminé. Merde. Vos quatre, direction la marina, par le pont. Nous, on reste ici. En attendant les ordres. Quoi? On est censé attendre ici pendant que des gars à nous nous défendent? Les ordres sont clairs. Ils sont bien assez nombreux pour se débarrasser d'un stade. Ben, heureusement qu'il y avait un câble. Ça, c'est vraiment de la chance. Déconner. Tu sais, genre, il y a eu la fin du monde, tout ça. Il y a un tremblement de terre ou je sais pas quoi, parce que ou peut-être les frappes de napalm pour détruire la ville. Et ben, il y a un cordon qui est tombé pile poil à un endroit où 25 ans plus tard. Ellie pourra passer par là sans se faire repérer par les wolves. Ça, si c'est pas de la chance. Franchement. Ah non, c'est un câble. Mais qu'est-ce qu'il fout là alors? Putain de merde. Ellie. On peut accéder à la marina par là? Non, on prend le bateau. Tu les as entendus, ils parlaient de Tommy. On n'en sait rien. Qui ça peut être d'autre? Même si c'était lui, on pourra jamais le rejoindre à temps. Son but, c'est de retrouver Abby, alors on n'a qu'à suivre. Mais si jamais il est dans la merde. Il sait se débrouiller tout seul. J'y crois pas. La meilleure façon d'aider Tommy, c'est de trouver Abby. Je viendrai pas te sauver encore une fois. J'espère que tu vas t'en tirer. Ah, déconne là, Ellie. Oh. C'est bon, le moteur est reparti. Je le mets où? Pas la marée de votre côté. Ça commercial. On a de la visite. Ils sont où? Bugué, je pense, là. Tu trouves quelque chose? Putain, j'aurais pu directement passer par là.
Juste ici. Là. Le bateau. Ouh. Oh, je lui fais sauter sa main. Oh, hardcore. Bon, le bateau. Comment j'y accède? Bah. Passer par là, c'est un labyrinthe cette histoire. Ah, la bombe. Des pros. Ça va,
Y a personne derrière. Bon. Je pense qu'il fallait que j'aille à droite. Ouais, la grande roue. Franchement, je suis un pilote, hein. Et maintenant. Ok, j'ai pied, ok. Ok, il y a un aura. C'est cool. J'hésite un petit peu avant, hein, comme d'habitude. Vous connaissez. Oula. Bess, si tu lis ça, c'est que je me suis fait buter. J'espère que c'était pas par un enfoiré de Scar, mais quelque chose de plus classe. J'espère surtout que tu te rappelles où on a planqué nos réserves. Le code, c'est 70-12-64. C'est pas grand chose, mais c'est tout ce que j'ai. Prends tout et prends soin de toi, Randall. Ouais, 70-10-14, je crois que c'était ça. Non, la voilà. Oh, nice. Ok. Où ça mène, ça? Oh, un nouveau manuel d'utilisation. Un nouveau manuel, ça, je rêve pas. Oh non, les chips. C'est vrai, j'ai tout, je suis bête. Alors, c'était 70... Ouais. Non, 12, 14. Bon, je ferai mieux vérifier le code. Pas du tout retenu, pas du tout retenu code. Ah, niveau munitions de pompe là, je suis max du max, hein. Moi qui me plaignais tout à l'heure que c'était méga rare, bah tiens, le jeu il s'est dit tiens les munitions c'est pas rare, prends mon foie de la surface. D'accord. Bah. Oh, elle est cool. Franchement, elle est trop cool. Et comment je vais le bloquer? Ça va vous bloquer tout seul. Ça. Ah oui, des commandes alternatives, ok. Oh.
Ah ouais, c'est correct. C'est pas les meilleurs du monde, mais... Ok. Ah, yes. Une blague. Oula. Si des wolves lisent ce message, dites à Isaac et aux autres que les rumeurs sont vraies. Il y a un nouveau type d'infecté. On dirait un demi-colosse avec des bouches plein la tronche, des boutons plein la tronche. Il est vraiment laid. C'est peut-être la pluie qui a causé cette mutation, j'en sais rien. Il était lent, donc j'ai pu l'abattre facilement. Mais quand je me suis approché pour jeter un coup d'œil, les espèces de pustules sur son corps ont explosé. Ça m'a brûlé tout le côté droit du corps. Un peu comme de l'acide. Si un de ces trucs s'approche de vous, gardez vos distances. Ça tient. Bah, comment? Moi aussi, je vais prendre part à la bagarre. La langue. Elle est où elle? Comment? Toi tu commences à me saouler, toi tu vas souffrir. Tiens. Fini. Ah.
Jules. Ok. Ah merde, non. Bon, il va retourner, vas-y, la merde. Ils sont morts, les wolves, là. Ah ouais, ils sont morts. Eh bien, mesdames et messieurs, ça va être la fin de cet épisode, sinon ça va être beaucoup trop long. Ça fait déjà 1h13 que je tourne. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Moi, ça a été le cas, comme d'habitude. Et comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager et à commenter. J'ai carrément oublié mon outro. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je dis ça alors que là, je viens de faire... Bon, bref, on s'en fout. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.